Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau Dog News concernant le The Last of Us Day, puisque oui, aujourd'hui nous sommes le 26 septembre et donc comme tous les ans depuis 10 ans, Naughty Dog va célébrer la licence The Last of Us au cours de cette journée spéciale en annonçant pas mal de choses. Mais les Dogs ont d'ores et déjà prévenu les fans que cela ne concernera pas les prochains projets de jeux vidéo et de séries pour The Last of Us. Le The Last of Us Day commence officiellement ce soir à 18h avec un stream spécial sur la chaîne de Naughty Dog. Mais hier soir, les Dogs ont tenu à prévenir les fans qu'il n'y aurait aucune information sur les prochains jeux The Last of Us ou sur la série TV. Voici le tweet qui a été publié par Naughty Dog. Le The Last of Us Day est bientôt là, nous le célébrons avec un stream The Last of Us Day demain à 18h avec des annonces de fan art, des produits dérivés et bien plus encore. Bien que nous fassions honneur aux 10 ans de la série, nous ne parlerons pas des futurs projets de jeux ou de séries télévisées. Alors même si certains fans sont assez frustrés de se dire qu'il n'y aura aucune information, il faut savoir que dernièrement, l'industrie du cinéma et des séries TV ont été frappées par une grosse grève des scénaristes qui a complètement mis en stand-by l'essentiel des projets. Et en soutien aux scénaristes, Ned Druckmann et Craig Mazin ont confirmé que l'avancement de la série était également en stand-by. Le tournage de la saison 2 devrait cependant commencer dès la fin de l'année 2023 ou au début de l'année 2024 et la sortie de la saison 2 est prévue pour le début de l'année 2025. Un gros dossier arrivera prochainement sur Naughty Dog Mag pour tout savoir sur la saison 2 et toutes les informations que l'on connaît à ce jour. Concernant les jeux désormais, en juin 2022, Neil Druckmann avait dévoilé au cours du Summer Game Fest quelques informations sur le mode faction et il avait confirmé que de nouvelles informations allaient arriver en 2023. Malheureusement, en début d'année, on apprenait que Sony avait décidé de réévaluer le projet avec Bungie pour que le jeu soit vraiment plus axé sur le côté jeu de service et qui puisse perdurer pendant de nombreuses années. Ainsi, le projet de standalone multijoueur de The Last of Us avec le mode faction était mis en stand-by pour une durée indéterminée. Alors à titre personnel du côté de chez Naughty Dog Mag, on pense qu'il n'est pas impossible que ce soir on puisse avoir un nouvel artwork du mode multijoueur avec un petit message de Naughty Dog qui nous remercie les fans et qui nous indique que de nouvelles informations arriveraient quand ils seront prêts, arriveront quand ils seront prêts dans les prochaines semaines et les prochains mois, mais il ne faut pas s'attendre à de grosses informations ou à un gros trailer qui pourrait arriver aujourd'hui. Concernant The Last of Us Partie 3, c'est désormais une certitude que les travaux ont débuté autour de celui-ci, mais là encore, c'est bien trop tôt pour en parler. Il ne faut pas oublier que Naughty Dog se relaie tout doucement d'une période très compliquée avec le développement de The Last of Us Partie 2 et que le studio est en transition avec de nombreux changements positifs qui sont intervenus au cours des derniers mois pour stopper le crunch et améliorer les conditions de travail. Et on n'oublie pas non plus que de nombreux changements vont encore arriver avec de nombreuses restructurations avec le départ de Evan Wells prévu pour le mois de novembre ou le mois de décembre. Alors c'est vrai qu'il est un peu frustrant de se dire qu'il n'y aura pas de grosses annonces pour les 10 ans de The Last of Us et pour les 10 ans du The Last of Us Day, mais laissons le temps aux Dogs puisque en 39 ans ils nous ont jamais déçus et on sait très bien que lorsqu'ils feront leur annonce on ne sera pas déçus et que ce sera des masterclass. Donc laissons leur le temps et soyons compréhensifs puisque si vous êtes déçu de ne pas célébrer les 10 ans de The Last of Us comme il se doit, soyez certain que les développeurs et les membres de l'équipe de Naughty Dog sont encore plus déçus que nous. Donc soutenons-les dans cette période un petit peu compliquée et patientons. Le The Last of Us Day a déjà commencé avec l'annonce d'une nouvelle figurine complètement dingue de Joël, Ellie et d'un claqueur, mais qui est quand même prévue pour sortir prochainement au prix de 1 700 €. C'est quand même vraiment pas donné. Et on a appris également qu'il y avait de nouveaux goodies sur la boutique officielle PlayStation avec le sac de Ellie et son fameux porte-clés, des vêtements, un poster, etc. Dans la description de la vidéo, vous retrouverez le lien pour découvrir toutes les informations sur le The Last of Us Day et on vous prépare bien entendu un gros récapitulatif de toutes les annonces prochainement. Sur cela, c'est tout pour nous. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur la chaîne pour plein de nouvelles choses.